sono un illustratore e lavoro da molti anni nel campo dell'editoria. Je suis illustrateur. Je travaille depuis des années dans le domaine de l'édition et de la communication. Pour l'illustration, j'utilise principalement l'acrylique sur papier. J'ai collaboré avec beaucoup de maisons d'édition, réalisé des affiches pour de nombreux événements. J'ai réalisé aussi des manifesti pour molti eventi nazionali e ho collaborato anche molto nell'ambito musicale. Et j'ai aussi pas mal travaillé dans le domaine de la musique en réalisant des pochettes de CD et de vinyle. Sempre nell'ambito musicale è capitato anche di occuparmi di. Il m'est arrivé aussi de réaliser des clips vidéo pour des artistes avec lesquels je collabore depuis des années. Gli artisti con cui ho collaborato negli anni. Marco Cazzato vit et travaille à Turin. Son univers poétique traverse le terrain inexploré de l'esprit humain, le transformant en un monde parfois surréaliste, parfois métaphysique. Ses illustrations sont configurées comme des associations impossibles, qui cependant se retrouvent toujours dans un espace intermédiaire entre le crédible et l'incroyable, entre rêve et réalité. La mia tecnica principale oramai da anni è l'acrilico. Uso i colori acrilici su carta e ogni tanto su tela. J'utilise les couleurs acryliques sur papier et quelquefois sur la toile. Je réalise d'abord un fond noir. Je pars du très foncé pour arriver aux couleurs les plus claires. Et su questo poi intervengo lavorando al contrario, cioè partendo da, appunto dall'oscuro, arrivando poi fino ai massimi chiari. Je suis habitué, même mentalement, à travailler comme ça. Je décrypte les images, les lumières de cette façon-là. Le luci in questo modo, cioè al contrario. Occasionalmente, il m'est arrivé parfois d'utiliser la détrempe ou le pastel pour un travail plus rapide, mais la plus grande partie de mon travail est réalisée à l'acrylique. Installé depuis plusieurs années à Turin, Marco Cazzato est originaire des Pouilles. Cet infatigable travailleur solitaire se nourrit de différents univers artistiques qui vont de Federico Fellini à David Lynch, en passant par Pina Bausch ou Dino Buzzati. Affiches, couvertures de livres, pochettes de disques, ses œuvres sont publiées dans bon nombre de journaux et magazines italiens et régulièrement exposées en galerie. Il remporte plusieurs prix, dont celui attribué par le European Newspaper Award en 2014. Il mio immaginario e in genere il mio, insomma, la mia produzione come illustratore negli anni. Mon imaginaire dans le domaine de l'illustration est souvent défini comme inquiétant. Je dois dire que je prends ça comme un compliment, parce qu'inquiéter, ça signifie toucher la personne qui me lit en quelque sorte, provoquer chez elle une réaction. Au cours du temps, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon travail était perçu comme inquiétant. Je pense que c'est dû à ma façon de naviguer toujours entre la réalité et le surnaturel. Molte persone risultano inquietanti e credo che sia questo mio viaggiare sempre sul filo della realtà e del surreale. Ma production n'est pas totalement fantastique ou surréaliste. La plupart du temps, il y a une représentation très réaliste dans laquelle j'interviens avec des petits déplacements de la réalité. La parte della mia produzione ha una rappresentazione abbastanza realistica, nel quale però io intervengo con dei piccoli spostamenti, dei piccoli slittamenti della realtà. Des petites incursions surréalistes qui peuvent provoquer un effet de vertige, faire pénétrer le lecteur dans un lieu familier, confortable, sans risque. Come appunto entrare in un ambiente quotidiano, conosciuto, portare il lettore in un ambiente confortevole, diciamo, senza rischi,
Et quand lui se rilassa, in quel momento, et au moment où il est détendu, faire intervenir quelque chose qui le déstabilise. Thank you.